Après avoir posé le diagnostic de lymphome de Hodgkin sur un examen anatomopathologique, la demande du bilan d'extension est une étape capitale, car elle va déterminer le pronostic de cette maladie. En plus, elle va dicter la conduite thérapeutique. Et ce bilan d'extension commence par un bon interrogatoire et un examen clinique minutieux. L'interrogatoire va préciser le nombre, le siège, ainsi que le volume précis de tous les adénopathies périphériques, sans oublier de préciser le siège ainsi que la date d'apparition de la première adénopathie. Rappelons que le mode de propagation le plus fréquent dans le lymphome de Hodgkin est un mode d'extension de proche en proche. L'interrogatoire va rechercher aussi la présence de signes généraux, à type de sueur nocturne profuse mouillant le linge et obligeant le malade à changer de literie nocturne. Deuxièmement, une perte de poids de plus de 10% du poids corporel dans les 6 derniers mois. Et dernièrement, on recherchera la présence d'une fièvre, persistance de plus d'une semaine au-delà de 38 degrés et sans cause infectieuse. Au bout de cet interrogatoire, on pourra déjà classer le malade soit en stade grand A ou grand B. Grand A, absence de signes d'évolutivité clinique, et en grand B, c'est-à-dire présence d'au moins un de ces signes d'évolutivité. Cet examen clinique sera complété par un examen ORL spécialisé à la recherche d'une atteinte de l'anneau de Waldeyer ou encore une atteinte du cavum, etc. Après cet examen clinique, on passe aux examens radiologiques, à savoir un téléthorax de face, un scanner thoracique, le scanner abdominopelvien, une IRM. Enfin, on va pratiquer un PET scan, qu'on appelle aussi la tomographie par émission de positron. C'est un examen d'imagerie pratiqué après injection d'un produit appelé le 18-fluorodisoxyglucose. Sachant que les cellules tumorales vont fixer ce type de glucose en excès. Et donc, cet examen d'imagerie va permettre de visualiser le fonctionnement des différents organes. C'est une imagerie fonctionnelle. En fait, c'est un outil très important pour l'évaluation pré- et post-thérapeutique. Et vu la sensibilité et la fiabilité de tous ces examens radiologiques, je rappelle que la lymphographie bipidieuse n'a plus aucun intérêt. Après les examens radiologiques, on passe aux examens biologiques. Et on commence par la biopsie ostéomédulaire, à la recherche d'une infiltration médulaire par le lymphome de Hodgkin. On demandera aussi le taux de phosphatase alcaline sérique, qui sont généralement à 3 fois la normale en cas d'un envahissement hépatique par le lymphome de Hodgkin. La présence d'hépatomégalie doit faire aussi évoquer un envahissement hépatique. Mais logiquement, c'est la fonction biopsie du foie qui devrait poser le diagnostic d'un envahissement hépatique. Sauf que cet examen est invasif et donc peu pratiqué. En fonction des signes cliniques que présente notre malade, on fera d'autres examens complémentaires, à type d'urographie intraveineuse, une fibroscopie digestive haute, ou encore une scintigraphie osseuse, etc. Et au bout de ce bilan d'extension, on pourra classer notre malade selon la classification d'Ann Arbor modifiée par Cosworth. Je reviendrai sur cette classification bientôt dans une autre vidéo.